Ok, un verre, je rentre, épisode 4. Moi, je suis quand même gaz un peu là. On a fait en tout 9 bars. T'es sûr qu'il la mettra cette séquence? T'arrives pas à articuler depuis tout à l'heure. Ah ouais. Ah, t'es quelqu'un toi. Ah putain. Et maintenant pour l'autre. Attends. Vas-y, je tiens, je regarde. On ramasse les capsules. Un verre, je rentre, épisode 4. Non, ça fait 3 là. 4. Attends, j'ajoute un doigt. Voilà. Vas-y, on est de retour en pays catalan. Et aujourd'hui, on va aller faire un tour à Canet, en Roussillon. Et à Canet, il y a un lieu qui est très, très, très connu. C'est la fameuse rue de la soif. Et en tant que catalan, c'est un peu la rue pour sortir le soir. Je rappelle l'idée de la vidéo, donc c'est vraiment de promouvoir les bars d'une ville, c'est pas que de la beuverie. Je me rends dans une ville, je prends 10-15 des bars les plus connus et surtout ceux qui m'ont autorisé à filmer. Le patron nous parle de son bar à la caméra et après on boit un verre. Tout simple. En fait, ce mec là c'est Eric. Il sera avec moi ce soir, hein. Je sais pas si ouais, vous, voilà. Ouais, on s'est croisé tout à l'heure. Alors, on s'est vu là-bas, en fait, il était là-bas en fait, en train de faire à manger. Il dit, ouais, mec, tu fais quoi ce soir? Ouais, oh, bah, rien, je suis là, je fais à griller et tout. Et toi, tu fais un marathon? Ouais, moi, je marathon. Avec toi. Un verre genre entre épisode 4, c'est parti. Bar numéro 1, le Shimmer. Salut, moi c'est Mika, bienvenue au bar Le Shimmer à Canet en Roussillon. Venez découvrir les mojitos spéciaux du Shimmer. Un peu toutes les ambiances, ça dépend des DJ. D'accord, ok. Voilà. C'est à quelle adresse? C'est aussi rue du Val-Espire à Canet en Roussillon. Cause they can't read all his motions. How the kid never switch codes, but he codes with focus. Staring down your team with a frozen ice cold look. Ok. Bar numéro 2. À côté, l'évidence. Hop là. Allez, bonjour, moi c'est Adrien, je suis un serveur à l'évidence. C'est un nouveau bar qui a été repris à rue de la Soif. Toujours le même esprit, quelque chose de très reggaeton, dancehall. À l'arrière du bar, on a aussi un espace dédié piste de danse. Et puis on peut manger des tapas, on peut venir en début de soirée, en fin de soirée, en milieu de soirée. Il y a toujours de l'ambiance. À quelle adresse? Dans le 19 boulevard Cassagne. In the summer solstice, cuz I'm more like the top dog. Keep on running game, and the gang will accost y'all. I be calling play. They know I'm a dog and a beast, man. Yeah, I keep the peace with a peace, man. I ain't got no time for a peace, man. Why would I respond to a pawn? I'm the hold up. If I let my dogs off the leash, then you might want to get out of dodge while they eat them. Honestly, they can smell the blood and the beef. If they don't need anything behind, I can eat them. I can see you soft, ever thought about retreating. If you never have, then they'll give you a reason. Damn! Deuxième bar, la tanière du loup. Bonjour, moi c'est Eric. Bienvenue à la Tanière du Loup, je suis le gérant de ce restaurant Bar Tapas. Vous pouvez venir vous restaurer à partir de 18h jusqu'à pas d'heure. Et on a beaucoup de cocktails, enfin, on a des mojitos fraises, framboises, classiques. Ouais. Après on a une douzaine de cocktails à la carte. À quelle adresse? 19 boulevard Cassagne à Canet en Roussillon. You never have, then they'll give you a reason. Better watch your tone, lose your bass when you speaking. Underneath the mask is the wrath of a prince. When you learn how to smile in their face, then go cutthroat. Then they wanna call you a con when the blood cold. Quatrième bar, c'est le bar. Oh. Alors, ça va les gars? Alors, monsieur, dame, est-ce que vous vous rappelez de Clément Arès, avec qui on a fait le marathon à Montpellier? Là, on est à 3 bars. Ok, donc moi c'est Maxime. Voilà, c'est la terrasse. C'est un bar qu'on a créé avec deux potes il y a 10 ans de ça maintenant. Voilà, un endroit décontracté, bar tapas, avec des gens qui se rencontrent, qui aiment manger, boire, faire la fête. À quelle adresse? C'est 19 boulevard Cassagne. C'est beau ça. Yeah.
bah quel bar? Quel bar, mon gars? 15-20, à côté là. Salut, moi c'est Victor, gérant du bar le 15-20. Nous c'est la 9e saison qu'on est ici. Je dirais pas qu'on est une référence, mais voilà, on est bien installé. Là nous on est plutôt une terrasse terrasse ambiancée, je dirais. On peut boire des bons cocktails et manger quelques tapas. Quelle adresse? 19 boulevard Cassagne. Victor, on se boit un verre? Ouais, carrément. On mange un verre? Ah ouais. Allez, let's go, on boit un verre. Bon, je vais vous faire goûter la nouveauté de cette année. C'est le granité, le shooter granité. Donc c'est le shooter givré. C'est coco, ananas, rhum. Ah, c'est froid! C'est froid, mon gars! Allez! Voilà! Allez, dedans! Qu'est-ce que c'est que ce pays? C'est froid, mais c'est bon! C'est très très bon! Bon, on n'est pas assez rafraîchi. Un second! Les gars. C'est froid! Il fait au moins 8000. Ouais, bonjour à tous, c'est Jérôme, le gérant du Tika. Nouvellement venu dans cette rue. On vous accueille avec plaisir, bar tapas tous les jours. Et venez vous éclater chez nous. Boulevard Cassani, à Calais en Roussillon. Bonne mine. C'est quoi ça? Bonne mine. Bonne mine, c'est à quoi? C'est à quoi? Le 15-20, maintenant il y a le 16-20, tout con. Et on garde Victor. Ok Victor. Salut les gars, c'est encore moi. Donc on est au 16-20, donc juste en face du 15-20. On a repris ça il y a 3 ans, donc là c'est la 3e saison. Et là on va être plus sur un bar musical à part entière, voilà. Un pré-club un peu. Avec 3 bars, 3 ambiances, premium, rooftop, bar à shooter, et piste de danse et ambiance de folie. À quelle adresse? Je crois que c'est le 20 boulevard Cassagne, tu vois. Apparemment. Voilà. Okay, en face du 15. Voilà. Voilà. Okay. Donc là, on passe au bar shooter. Bienvenue au rooftop et au premier bar, bar shooter. Dans un bar? Ouais. Il y a 3 bars. Exactement. Pourquoi pas? Voilà. Pourquoi pas? Ben ouais, logique. Ça c'est la spécialité, c'est on l'appelle le shooter de l'amour, voilà. Spécialité du barman de Dina Cassès. Ok. L'amour parce qu'il est rouge, bien entendu. Pas parce qu'il y a un truc en plus dedans. Non, y'a. Allez, à la bonne. Allez, salut les gars. Au 16-20. Nage. Eh ben putain les gars. Après l'amour, l'orgasme. Comment ça se fait? Alors, je vous promets, c'est le dernier. Pour l'instant, c'est le dernier. Voilà. Un verre et je rentre, Dylan. Un verre et je rentre. Un verre et je rentre. Ouais. Ou pas? Monsieur, non. Ce n'est pas possible. Salut, moi c'est Anto, gérant de la mer à bord à Canet-en-Roussillon. On est un bar tapas gourmet où on prépare tapas fait maison. Tout ça dans la bonne ambiance et la bonne humeur. À quelle adresse? Au 28 boulevard Cassagne et ça se passe ici. Excuse-moi, est-ce que je peux prendre une photo? C'est une vidéo? Ah, c'est pas pardon, une photo. C'est une vidéo, je suis vraiment désolé. Ok. Ok. Coucou, moi c'est Laura du Pride Bar. N'hésitez pas à venir goûter nos tapas, mais surtout nos viandes. Il faut savoir que notre patron, il est boucher de père en fils. La viande, elle est hyper fraîche, elle est débitée directement en cuisine. Et en plus, elle est grillée par nos soins au feu de bois. On boit le? Le My Fry. Le My Fry, attends. Spécialité. Attends, c'est à quoi? Tu m'as dit, c'était au rhum blanc. C'est ça. Au rhum ambré, au triple sec, au sucre de canne, au citron vert et à l'orgea. Et bien sûr, n'oubliez pas l'ananas. Waouh, ok, ça marche. À quelle adresse? Au 21 boulevard Cassagne. Ok. On va au Pam Pam, mon gars. Pam Pam.
Bonsoir, donc Laurent, Julie, au Pampan à Canet. Donc nous vous accueillons avec le bon cocktail et également une carte de tapas en début de soirée. À quelle adresse? 29 boulevard Cassagne. Ok, un verre je rentre, épisode 4. Je suis bourré, putain, j'en ai même pas parlé. Donc je dirais merci à chaque bar. Ouais, merci. On merci à chaque bar d'avoir joué le jeu. Maintenant, épisode 5, je vais pas trop spoiler, mais on fera un département entier. On fera faire le plus grand marathon de France. Merci Eric. Milan, merci à toi. Et on se voit pour l'épisode 5. Ciao. Ciao.